C'est Niska34 et aujourd'hui mes petits noms on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stowaway. Stowaway. C'est bizarre comme nom, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Donc ne me demandez pas. Ça doit dire quelque chose j'imagine, hein, vu que c'est de l'anglais. Et vous connaissez maintenant mes talents en anglais. Donc on ne dirait rien. L'un d'entre vous sur Twitter m'a dit qu'il aimerait bien me voir sur des petits jeux d'horreur. Et moi, je m'exécute, hein, je te fais un grand coucou. Je n'arrive pas à me souvenir des pseudos. Je les reconnais hein, quand ils reviennent très souvent, hein, forcément. Mais faut pas me demander, mais tu te reconnaîtras. Je te fais un gros bisou au passage. J'ai regardé un petit peu la description. En gros, on est au fin fond de la cambrousse de Russie, là où il fait très froid et là où personne ne va parce qu'il n'y a rien à faire. Et nous, donc a priori, on est dans un truc, un espèce de bunker anti-nucléaire, de ce que j'ai cru comprendre. Et ça va partir en couille. Voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est me demandez pas plus. C'est ça le jeu. Ah d'accord, c'est barricadé. Bon, écoute, je ne juge pas. Quarantine, j'imagine que ça veut dire quarantaine. Il faut que je trouve une flashlight, que je trouve une toolbox, donc je pense que c'est une boîte à outils. Et que je régule la valve de pression. Attends, c'est un bunker qui fait des bruits comme ça? Putain, mais je vais me chier dessus, les gars. Je sens mal. Ah, mais je veux que tu partes, petite. J'ai entendu un bruit bizarre. Oh, cette vidéo va pas durer longtemps, je vous le dis, moi. Oh, et il y a déjà une ambiance de fou. Je vais me chier dessus. Pourquoi vous me dites ça, là, aussi? Putain, vous savez que j'aime pas ça, vous savez! On peut rester là. Oh! Bonjour, madame Atas. Ici, hein, on est bien. Hein, on va pas se mentir. Ah, putain, mais pourquoi? En plus, j'ai une deuxième vidéo à tourner, là, les gars, je me sens mal. Oh! On dirait un robot qui te regarde dans la nuit. Ah! Bordel. Ah! Je vais pas aimer ce jeu, je vais pas aimer ce jeu. Oh, je me sens mal! Ça commence, hein. Putain. Pourquoi il veut... Ah! J'ai plus de caméra, les gars. J'ai plus de caméra. Je me chie dessus. J'ai rien fait sur le jeu. Je suis déjà en PLS. Il y a trop de son. Attendez, j'arrive pas à lire. Et putain, là, la lumière, là. Maman. Je veux pas me retourner. À l'aide. Pourquoi il gueule lui des fois là, je comprends pas. Tais-toi hein. Arrête de me faire flipper petit con. Ah voilà, là j'ai de la lumière, tu sais pas trop pourquoi. Du coup je peux lire. J'ai vu l'escorte du doc à bord aujourd'hui et il était en train de nettoyer son bureau. Il y a trois personnes qui sont venues apporter quelque chose aujourd'hui. Ah! Attendez, j'ai pas un bon tapis de souris pour faire ce genre de merde, moi. Ah, je suis bloqué. J'arrive pas à la tourner, putain. Allez, mon petit. Non, il veut pas. Ta mère. Le bulldozer. Ah, putain. Mais c'est pas vrai, ça arrive qu'à moi, ce genre de merde. Hein. Mais oui, mais mon tapis de souris... Attendez, je vais piquer sur une crisse. Allez, oh. Faut bien qu'il sacrifie un peu pour nos vidéos. Merde. Allez. Non mais regardez ce que j'ai comme tapis de souris. Ça c'est ce que j'avais quand j'ai acheté mon premier ordinateur portable. C'est-à-dire j'étais en troisième. Avec quelque chose comme 14-15 ans. Voilà. 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 Voilà avec quoi je suis aujourd'hui. Et le mec, regardez-lui si ça, il s'est pris. Et il se fait pas chier. Et c'est dégueulasse. Regardez-moi ce tapis de souris. Il est ignoble. Mais ça, c'est Chris. Je vous parle même pas de l'état de son clavier. C'est... Quand je devais faire des vidéos dessus, j'étais genre... Déjà, il fallait que je nettoie son bureau parce que c'était dans un état... Mais innommable. Tellement c'était dégueulasse. Voilà. Donc, normalement, j'ai un bon tapis de souris. Je n'ai plus d'excuses. Allez, on y va, Bobiette. Bah, descends, espèce de trou du cul. Non, mais... Le gars, là... S'il te plaît. Tu bouges un peu ton gros cul. Ah.
Oh, et ça t'arrive jamais à toi de faire une erreur? Chut. Chut, 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 chut. Je ne veux rien entendre. Je sais déjà que t'es en train de ricaner derrière ton écran. Tu arrêtes. Tu arrêtes immédiatement. Bon, on va. Après 40 minutes à essayer de sortir de cette pièce. Non, je déconne, ça fait pas 42 minutes quand même. Toi aussi, tu sens que ça va partir en couille, mais du genre profond? Ah! Et putain, mais c'était prévisible en plus! Il y a un monsieur! Oh! J'ai peur! Va te faire, enculé! Moi, je vous le dis, hein, je fais qu'un essai. Hein. J'ai pas la force morale d'aller plus loin. Je vous le dis direct. C'est quoi qui s'est fermé là? C'est cette porte là? Ah, en gros, il y a un truc. Le mec a voulu s'échapper. Ils se sont barricadés. Ils essayaient de protéger le reste du deck. Deck ça. Ah non, mais c'est pas desk comme bureau! On n'est pas sûr qu'on va réussir longtemps. Moi je bouge pas, hein. Moi je suis capable d'attendre 10 minutes comme ça pour faire la fin de la vidéo. Hein. Oh. Ah. Ah. Vous savez, j'adore les films d'horreur. Non, mais vraiment, je suis capable de les regarder le soir, je fais pas de cauchemar. Alors les jeux. Ta mère. Putain, y a des briquets. Oh, c'est Kigar! Oh non, trop chou! Il a dû faire le jeu, je pense. Et du coup, les développeurs ont dû le remercier. Bidec. Oh, il fallait par là, je crois. Ah non, j'ai compris. Enigma Room. Non, 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 c'est Engine Room. Donc, c'est la salle. Là où il y a toutes les machines. Presse 1. Ouais, je presse 1. Ça marche du feu de Dieu, ta merde. Bah ouais, mais poulet là. Écoute. Je suis pas. Tu te calmes, petite porte! Ça sent la petite respiration. Vous l'avez pas vu? Mais ma main, elle fait juste genre. Comme ça, genre. La main qui a peur, tu vois. Mais juste la main. Le corps, il est resté figé dans une position de type. Fétale. Ah ouais, mais je suis bloqué là, je suis dans le noir. Aide! Phase 2. Bah ouais, mais le 1 marchait déjà pas, mon gars. Mais ça arrive qu'à moi, cette merde. Pourquoi tu m'as dit 1 ou 2, là? Je touche 1 ou 2. Écoutez, les gars. On va s'arrêter là, parce que je suis bloquée. J'ai fait toutes les touches de mon clavier. Je ne sais pas où est ce petit 2, mais pas sur mon clavier. Je ne comprends pas. Si j'étais peut-être un peu moins noobie, ça donnerait des meilleures vidéos. On est d'accord. Mais on perdrait ce côté un peu fun de « je suis une merde ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est le bordel. C'est toujours... De toute façon, mes vidéos, c'est toujours le bordel. On est d'accord que c'est ça qui vous plaît, hein. Voilà, 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 voilà. Le bordel. C'était juste aussi pour vous annoncer dans cette vidéo que j'ai lancé mon propre blog. Voilà, après la chaîne YouTube, je lance un blog. C'était pas prévu, je vous le dis tout de suite, c'était pas prévu, mais je me fais tellement chier dans mon stage que fallait bien que je me trouve une occupation. Et donc c'est ce blog, donc normalement, là il est un petit peu en cours de construction, j'essaie de chercher des thèmes, je me tâte, je cherche un peu. Mais normalement il y aura un premier article sur Plantes vs Zombies, Garden Warfare 2, mon amour de jeu. Voilà, donc la meuf un peu tarée. Donc voilà, je voulais quand même... vous prévenir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, bah, vous avez l'habitude maintenant, à commenter, à liker, à vous abonner. D'ailleurs, on est à l'heure où je tourne cette vidéo, donc vous la regarderez lundi et moi je la tourne la veille, en fait, dimanche. On a passé le palier des 900 abonnés et le prochain étape, c'est les 1000. J'attends tellement ce truc avec impatience et on les a... En fait, dans mon programme, normalement, on devrait atteindre les 1000 mi-juin, mais là, vu que c'est parti, on va les atteindre carrément plus tôt. Et ça, ça me fait trop plaisir! Donc voilà, je suis trop contente. Donc, merci à tous et merci aux nouveaux abonnés qui arrivent dans notre petite famille de tarés. J'espère que ça vous plaira. Bon, en même temps, vous êtes abonnés, donc normalement, ça vous plaît minimum. Bref, je m'égare. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tous des gros bisous. Ciao, ciao! Ah merde, il me regarde! Oh, ils font flipper! Oh, l'aide. Oh, attendez, j'ai une idée. Est-ce que je peux balancer ma fourchette là-bas? Bim!